Comme toujours, vous retrouverez les ingrédients ainsi que la liste des instructions au bas de la vidéo dans la section « Plus ». Bonjour les amis, la recette d'aujourd'hui sera des rouleaux de printemps aux crevettes accompagnés de deux sauces. On va commencer avec la première sauce. Ça va nous prendre de la sauce hoisin, 3 cuillères à table, 2 cuillères à table de beurre d'arachide, et on mélange bien. Et on introduit une cuillère à table d'eau chaude. Si elle est trop épaisse, on continue avec un petit peu plus d'eau. Notre sauce, elle est prête. Nous allons maintenant faire la deuxième sauce. J'ai du gingembre râpé. À ça, on ajoute une gousse d'ail, un quart de tasse de vinaigre de riz, une cuillère à thé de sauce de poisson, une cuillère à table de sauce de soya légère ou sauce de tamarin, une cuillère à thé d'huile de sésame, une demi-cuillère à thé de sauce piquante shiraza, voilà, nos deux sauces sont prêtes. Nous allons commencer à préparer nos aliments. On commence à préparer nos crevettes. On commence par les écouter. On les coupe en deux. Et on se fait des juliennes avec nos cocons. On fait des fines juliennes avec. Pareil avec le poivron rouge. Et on tranche nos carottes en petites tranches minces fines. Et on fait des juliennes. On prend le temps de laver les feuilles de menthe. On brise les feuilles séparément et on les éponge sur du papier. On fait de même avec notre basilic. On nettoie les fèves germées en enlevant le bout de la fève. Regardez juste la partie craquante. On a nettoyé toutes les fèves. Voilà. Alors, on commence par tremper une galette de riz dans l'eau chaude pour la ramollir. Étendre la galette de riz sur un tapis plastifié pour qu'elle ne colle pas sur le comptoir. On commence par garnir avec quelques morceaux de carottes, de piment, concombres et autres. On ajoute les fèves germées. On garnit de quelques feuilles de menthe ainsi que de quelques feuilles de basilic. On ajoute nos morceaux de crevettes. On rabat chaque côté de la galette vers le centre. Et on roule en maintenant serré pour faire un beau rouleau.
et on répète ces étapes-là avec chaque galette. Bon appétit!